Eh hey, mes grands, vous savez que vous êtes des stars maintenant, je fais des interviews. Les intervieweurs me parlent de vous. Ils ont dit quoi? Je suis passé sur Click TV l'autre jour, ils ont posé une question sur vous. Il y a des intervenants réguliers dans tes vidéos. Il y a des intervenants qu'on voit souvent. Mm. Bah, c'est comme des petits personnages de séries télé. C'est ça, on dit ça souvent. Donc il y a Ludo la Pomme, il y a Ma Grande, il y a DJ Jazz, il y a Lang. Mais alors pour le coup, tous les personnages qui interviennent dans mes vidéos, il y en a une petite dizaine qu'on retrouve comme ça régulièrement. À la base, c'est mes potes, quoi. Et bien c'est sûr. Mes potes qui veulent bien se montrer à la caméra, parce que bien sûr, je vais pas imposer à mes amis qui veulent pas se montrer de le faire. Et c'est devenu. Ils ont chacun leur particularité. J'ai mon pote Faisal qui mange que du riz poulet partout où il va dans le monde, il teste les riz poulet. Mon pote Ludo qui mange une pomme avant les repas, du coup les gens se sont automatiquement mis à l'appeler Ludo la Pomme. Mmh. Mais ils avaient toutes ces particularités à la base, et ça fait un petit peu comme si c'était comme si on l'avait écrit dans une bible des personnages, comme quand on écrit une série télé en fait, sauf que leurs particularités se sont révélées naturellement. Et puis tu fais Eton. Ouais. Au fil des vidéos, on découvre certaines spécificités des personnages, certaines caractéristiques, tu fais Eton vachement. Il y a un côté vidéos. Storytelling, mais je pense que c'est aussi la force du format vlog. T'as vu ça, mes grands? Ah, t'es beau, voilà, hein, c'est génial. Ah, mais on parle de vous, quoi. Oh là là. Si j'avais cru, hein. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, ah bah si, on voit Ludo dans le reflet. C'est génial. Comme ça, même si je te filme pas, tu peux intervenir à tout moment. Je te mets pas les bon, hey, ma grande, aujourd'hui, je vais manger des burgers. Ça faisait longtemps, tu vois. Mais comme nous sommes en 2019 et que c'est le mois des bonnes résolutions, j'entreprends une détox. Et si je t'en parle, ma grande, parce que ma grande... Parce que t'en as bien besoin vu le poids que t'as pris ces derniers temps. C'est pas ça, la détox, c'est pas une question de poids. C'est une question d'être pur. Bien sûr. À l'intérieur, tu vois. Et alors, il y a une abonnée qui s'appelle Myriam qui m'a envoyé... Regarde, ça, tu connais ça? C'est des plantes, c'est pour faire des infusions et tout. Donc ça c'est hiver, c'est si je suis malade, si j'ai la crève, je me fais des tisanes avec ça. Ça c'est lendemain de soirée, si je suis bourré, si j'ai trop mangé. Ah ouais, ça c'est pour Ludo. Faire des tisanes. Ça c'est digestive, si je suis ballonné, machin, tout ça. Ça c'est pour moi. Hein. Ouais. Et elle m'a carrément fait des potions. Hein? Ouais. Ça c'est celle drainage détox. Je mets une cuillère à café dans de l'eau avant de manger, là, deux trois fois par jour. Voilà, elle m'a fait toute une feuille, elle m'a tout expliqué. Elle est géniale. Et alors ça, drainage détox, elle dit que c'est top parce que l'artichaut et l'aubier de tilleul sont de formidables dépuratifs du foie. Ils stimulent aussi l'élimination des toxines par les reins en synergie avec le bouleau et l'ortie. Après cela, je devrais sentir un regain de vitalité et mieux respirer. C'est génial. Toi qui adores les plantes. Bah oui, j'adore. Ah, voilà. Les plantes autorisées, bien sûr. Donc du coup, j'ai commencé. Voilà, c'est un truc qui a l'air vraiment sérieux pour moi. Et là, c'est une herboristerie. Ça s'appelle Herbonata. Non mais j'adore et j'aime bien l'idée qu'on prenne soin de toi mon grand. Parce que moi parfois je me dis avec ce qu'il mange. Ah ouais. C'est important parce que le foie, il bosse comme un malade les gars. On pense pas à notre foie, mais il bosse comme un foie. Non, et puis c'est très très important, un organe très important. Bah du coup je vous mets les infos dans la description si vous voulez vous renseigner là-dessus. Et puis bah là, maintenant que j'ai pris ma cuillère à café dans l'eau, je peux aller manger mes burgers tranquillement. Bon, là je vous explique le délire. J'ai quitté la radio, je suis arrivé à Nanterre. Là, je suis dans le coin de Nanterre préfecture et c'est à Nanterre que je vais faire la dégustation ce soir. Mais pour pas y aller tout seul et pour qu'il y ait un petit côté ludique, je vais faire un live comme je faisais l'année dernière de temps à autre. Ce qui fait que je vais me connecter sur YouTube, je vais montrer où je suis, les gens vont devoir trouver où je suis et s'ils identifient où je suis et qu'ils arrivent à me retrouver, le premier, je l'emmène avec moi manger. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a personne qui va venir, mais en plus il est un petit peu tard, on va essayer. Bon, le premier qui m'a trouvé, mais lui c'était facile, c'est mon pote. Toi tu m'as trouvé mais voilà. Tu veux dire bonjour ou pas? Ouais, on est là. Voilà, regardez c'est le poteau ça là. Arrivez-vous à bon port. On est en direct, du coup j'ai commencé le live ici, sinon on aurait commencé trop tard. Donc on attend, bah si tu trouves une place pour te garer, voilà, et puis après comme ça on part à l'autre endroit. Génial. on s'organise. Donc voilà, je vois qu'il y en a plein qui ont trouvé dans les commentaires, dans le chat. Maintenant, c'est pas tout d'avoir trouvé, il faut venir. C'est ouf, viens. Ah, comment il va celui-là? Bonjour, bienvenue. Alors, tranquille? Bon bah c'est lui le premier. Trottinette électrique ou trottinette pas électrique? Électrique. Bon, c'est bien. Tu viens d'où? Hein? De Bagneux. Bagneux? Ouais, là, c'est loin? Chez la famille à côté. Ah, t'étais là? Oui, ouais. Ah, mais là, t'es venu chez la famille, c'était loin? Non, non, à 5 minutes là. Bon, d'accord. Ah bah c'était bien tombé, n'empêche. T'as pas encore mangé? Non, non, non. On t'emmène? Ah, vas-y. Allez, vas-y, on t'emmène. Il est là. Ouais, ouais, il regarde le live en live. Personne qui arrive dans les Il n'y a pas trop de décalage, hein? Non, franchement, il n'y a pas trop de décalage. Fais voir, on voit bien ou pas? Ouais, il regarde le live en live. Ça va, l'image est pas trop dégueu là. Il est bien installé, le trottinette électrique. Ouais, regardez-le, lui, comment il est bien.
Trottinette électrique avec le petit truc en même temps. Faut faire attention en conduisant. Non, t'inquiète. Bon, du coup, le live est fini. Ça là, on part en voiture. On est parti. Du coup, on l'emmène entre, on le fait nous suivre en trottinette ou on l'emmène en voiture? Non, regarde, elle est super, elle est pliable et tout. Eh, regarde cette trottinette. Pliable. C'est ça. Tard, du coup, tu la plies, tu la mets dans le coffre, tu viens avec nous. Il n'y a pas de souci. On va manger ces spécial burgers aujourd'hui. Ok. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. On va voir ce que valent ces burgers. Alors, je vous dis, ouais, je vous ai même pas expliqué. C'est un resto de burgers. Le concept autour de la série Breaking Bad. Toi, tu kiffes cette série, tu m'as dit. Franchement, moi, je suis un fan de la série. Franchement, on va voir ce que c'est, hein, parce que ça m'intrigue. Tu sais quoi? Moi, je suis nul en série. Et j'avais dit cet après-midi, il faut que je révise quand même un peu Breaking Bad. Et j'ai oublié. T'as même pas vu. Ah, hein. J'ai oublié. Déjà, il y a quelques mois, j'étais allé, je sais pas si vous vous souvenez, dans un resto qui faisait un délire autour de la Casa des Papels. Et ça s'appelait, ouais. À côté de Lyon, ça s'appelait la Casa del Burger. Bon, là, la Casa des Papels, je connaissais avec les masques et tout ça. La Breaking Bad, c'est quoi? Vas-y, pitch. Ah, Breaking Bad, c'est un prof, en fait, qui est en fin de vie, qui a atteint une maladie grave et qui trafique de la drogue, en fait, avec son élève. Et lui et son élève, ils deviennent, en fait, super potes. Et ils ravitaillent, en fait, toute la ville entière de drogue. Mais c'est une histoire. Ah ouais. Ouais, mais c'est une histoire, vraiment, faut la suivre. Il y a D'accord. 5 saisons, c'est un truc de fou. On va voir comment, dans un resto de burger, il a pu mettre cet univers ouais. dedans, tu vois. C'est je un sais pas. Bio, en fait. On va voir ce cas. On va voir ça. Bon, on est arrivé, Nanterre, et je crois que je reconnais cette rue, les gars. Juste à côté, on vient de passer en voiture, il y a un truc qui s'appelle Au Brasier, un truc de poulet. Je crois que j'ai fait une vidéo là l'année dernière. Ah ouais? Ouais. Donc ça s'appelle Heisenburger parce que... C'est pour Heisenberg, le héros de la série, en fait. D'accord, ok. Bonsoir. Bienvenue. Ben merci beaucoup, je peux te filmer? Ouais, vas-y. Eh ben super. Du coup, c'est quoi ton prénom? Abdallah. Enchanté. Enchanté. Et donc ici, Heisenburger. Heisenburger, ouais. Parce Burger que fait maison. T'es fan de la série Breaking Bad? Ouais, j'ai aimé, je voulais donner un petit thème à la boutique, tu sais. Voilà, comme tu le vois. Bien. Et donc sinon, alors ici, c'est des burgers? Burger fait maison, tout maison. D'accord. Que ce soit les sauces, frites maison, les desserts maison. Tout, pain, mais, pain, ouais, tout de A à Z. C'est vrai que des burgers, il y en a beaucoup. Des burgers maison, il y en a quand même de plus en plus parce que chacun essaye de se démarquer en faisant de la qualité. Ouais. Et du coup, toi, c'est quoi ton originalité? Le bœuf, il est bio. Là, ça nous permet de faire une viande de qualité. Surtout, on l'a fait cuire sur un grill qui lui donne un certain goût, un petit goût fumé, comme si c'était cuit au barbecue. D'accord. Voilà. Un peu façon Burger King. Voilà. À la flamme, là. La flamme. Et du coup, pourquoi t'as fait des burgers? Parce que tu kiffes? Parce que tu sais que les gens kiffent? Tu sais que le burger, c'est passé devant les sandwichs traditionnels en France? Ça, hein. j'ai vu, c'est là. Le numéro 1, quoi. Ça, ouais, alors du coup, c'est chaud parce que tout le monde en fait et il faut se démarquer après. C'est ce qui est difficile à faire. Ouais. C'est ce qui est difficile à faire et moi, je mise tout sur les produits de qualité, produits frais, pour que ce soit bon. Et regarde-le, celui-là, il est content, il retrouve l'univers de sa série. Alors, c'est qui eux? Ah, ça c'est tous les acteurs, il est là Heisenberg, tu vois. D'accord. Et en plus, t'as dans la carte des menus, tu vois, t'as tous les personnages aussi, tu vois. T'as Heisenberg, t'as Pinkman, c'est le petit jeune étudiant. Et t'as que des références. C'est quoi en fait? C'est des quesadillas, ça? Exactement. J'adore les quesadillas, là. Au Mexique, j'en ai bastonné des quesadillas. Pareil, c'est un petit clin d'œil à la famille Salamanca dans la série Breaking Bad. C'est toi qui connais, c'est ça? J'ai vu, t'as mis Los Polos. Ouais, les noms. T'as Pinkman, c'est l'étudiant. Le toxicoman. Ouais, voilà. Ouais, même les noms des burgers, j'ai essayé de... J'ai pu, parce que t'as chèvre miel, par exemple, tu peux pas. Ouais, la classique, c'est pas facile. Ah ouais, chèvre miel, elle continue de s'appeler chèvre miel. Alors du coup, toi t'as pris le hank raclette. C'est ça. Il y a quoi dedans? Steak de bœuf bio, compoté d'oignons, iceberg, sauce mayo chili, tomate, fromage, raclette et lardons de veau. Ça là, montre-moi le tien là. Regarde, ça c'est l'Heisenberg. L'Heisenberg. T'as le steak de bœuf bio, t'as le cheddar, bacon, œuf, l'iceberg, tomate, oignon rouge, sauce barbecue. Et le mien c'est le chèvre miel, est-ce que quelqu'un peut me lire? Alors. Chèvre miel, c'est suprême de poulet. Mais c'est pas du poulet, moi. Non, c'est bœuf, parce que... Ah, moi j'ai pris en bœuf. On peut choisir, en fait. Bien sûr, on peut choisir. Donc t'as le bœuf avec l'iceberg, tomate, compoté d'oignon, fromage de chèvre et le miel. Ok. Et c'est du charolais, c'est de la viande charolaise.
C'est de la lyonnaise, ça. Voilà. Elle a l'air bien, les steaks ils sont bien. Franchement, la bonne charolaise. Et donc du coup, charolaise halal. Halal, exactement. Et là, regardez, comme ça là, il est fan de la série. C'est le camping-car là, regarde, c'est là où ils trafiquent leur... Ils t'ont amené, les jouets pour que tu puisses jouer à Breaking Bad. Ah ouais, Bad, super, là, je vais m'éclater là. Et tu t'entraînes à cuisiner. C'est là où ils trafiquent en fait, où ils préparent leur labo, où ils fabriquent leur ils appellent ça de la méthamphétamine. Sauf que toi tu fabriques des burgers. Et j'en mets un peu dans le burger, je vous cache pas. Arrête. T'as avoir une autre clientèle là. Du moment que ça paye. Fais gaffe, tout est filmé. On coupe au montage. Ah ouais, donc le comptoir, c'est aussi la caravane en fait que t'as reconstitué. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ah, c'est que du bonne chose, c'est du bio. Hein. Bon bah, bonne app les gars. Hein. Bonne app. Pour des frites faites maison, elles sont vraiment très bonnes. Encore heureux si elles sont maison. Comparé à certains kebabs faites maison, je donnerai pas les noms, mais franchement, c'est pas du fait maison. Là, franchement, le goût, il est là. J'ai pas encore testé ça, mais franchement, j'ai hâte. Merci pour l'invitation. Je crois qu'on va se casser le bite. On dit merci à ta trottinette, hein. C'est grâce à elle que t'es arrivé le premier. On va dire que ça m'a bien aidé. Ah, tu commences par le caissier. Ah bah, tu m'as pas attendu, toi. Regarde, t'as vu, j'ai fait un trop déjà. Ouais. Ah, tu me donnes trop envie. Qu'est-ce que t'as dedans? T'as le poulet, poivron, oignon, t'as trois fromages et de la crème fraîche dedans. Yeah. C'est tout fin, mais franchement, c'est super bon. C'est vrai que la pâte est toute fine, hein. Ouais, ça passe bien. Hein. Ah, franchement, c'est très très bon. Tard, toi t'es de la team, tu manges toutes les frites avant le burger? Toujours. Tiens, tu laisses pas une seule frite? Jamais. Ah ouais, carrément, à ce point-là. Les frites en premier, les meilleurs pour la fin. D'accord, ok. Bon bah, comme ça j'ai le temps de commencer le mien. Et... Bah, il a raison, hein, parce que les frites, c'est ce qui refroidit le poulet. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, ça refroidit. Il a l'air trop beau, ton Heisenberg, là. Ton idole, là. C'est ton personnage préféré? Ah ouais, ouais. Bah oui, c'est vrai. C'est la tête pensante. Super bon, tu vois. On voit l'œuf avec le fromage. T'as le bacon ici. Super bon, la viande est bien cuite, c'est juste ce qu'il faut. Franchement, il est super bon, ils sont bien le goût. Il est joli, hein. Et le pain alors, il est comment? Il a l'air pas mal. Ouais, c'est un peu du pain brioché, je pense. Hein. Le pain, il a l'air brioché, tu vois. Ouais. Ouais, c'est pas un pain burger comme on a l'habitude de voir. C'est pas du pain Harris supermarché, quoi. Hein. Tout, regarde, tu le vois bien. Ouais. Non, le pain est très bon. Il est beau, franchement, dès que tu vois, tu respires la douceur. Moi, chèvre miel. On va voir. C'est vrai que le pain est bien épais, hein. C'est vrai, j'ai fait une grosse bouchée, c'est vrai que ça se voit comme ça. Mais du coup, dès la première bouchée, j'ai eu tous les éléments en bouche. Le steak, le goût miel, la petite compotée, le chèvre bien sûr. Non, franchement, ça tue. Il est bon, le pain. Et le pain, il s'effiloche pas, tu vois. En plus, ils l'ont bien toasté, bien passé au four et tout. En plus, c'est filoche pas. Non, franchement, c'est bon. Hein. C'est bien le miel. Ouais, juste ce qu'il faut. On va tester le en craquelette. Moi j'ai pas pris le sien pour pas qu'il y ait en double, tu vois, pour qu'on en voit un. Mais là du coup je bave devant le sien. Il est juste magnifique. Franchement, super bon. Lardon de veau. Ah, ils ont un de ces petits goûts fumés. C'est juste super bon. Le steak, j'en parle même pas, il est fondant. C'est pas le steak tout sec. Tout plein. Non, franchement, il est vraiment fondant. Il est bien volumineux aussi, hein. Non, mais franchement, il est parfait. Vaut mieux rajouter un peu plus d'argent dans un menu que de manger des sandwichs, on va dire, entre guillemets, bas de gamme, ça veut dire banal, que tout le monde fait et qui sont sans trop, on va dire, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Là, franchement, pour moi, c'est top. Et c'est vrai que la viande, il y a un petit goût, mais c'est pas si fumé, c'est pas un goût si fumé que ça, c'est pas autant que Burger King, tu vois, mais c'est subtil. C'est juste ce qu'il faut en termes de goût. Ouais. Tu sens un peu le fumé, mais c'est vrai que c'est pas prononcé Non, mais c'est bon, et le mélange avec les sauces, tu vois, on en mange beaucoup des burgers quand même. Et il y a quand même ici la petite particularité qui fait qu'effectivement c'est simple, mais c'est vraiment efficace, c'est vraiment bon. Ah bah, il se met bien celui-là, regardez. Il a pas eu assez à manger, il se prend un cheesecake Nutella. Quand on a invité, on profite jusqu'au bout. maison aussi. Ouais, maison. Tout est maison, même les desserts et tout. Regarde, en fait, c'est un cheesecake, ils ont mis un coulis Nutella dessus. C'est ça, et même du petit chocolat avec des petites noisettes. Ah. En plus, il a chauffé un peu mon brownie. Franchement, hein. Pas mal du tout. C'est la première fois que tu manges un cheesecake? Ouais. Ah ouais? C'est quoi, voilà. Un gâteau? Je m'y connais très bien et je peux te dire que franchement, c'est très bon. Petit brownie là. Ouais, ça se voit. Ça se voit que c'est pas du papy brossard. Hein. Même si je respecte papy brossard. Hein, mais...
Bon, et ben voilà. Salut les gars. À bientôt. Ciao. On va y aller. T'as ta trottinette? Ouais, c'est bon. Elle va encore rouler maintenant? Toujours, toujours. Elle va galérer, hein. Non, franchement, c'est cool, ça vous a plu, les gars? Ah, ouais, franchement, parfait, super. Franchement, magnifique. Ce qui est bien, c'est que toi, t'habites pas loin, ouais, bah. Et tu connaissais pas ici? Non, pas du tout. Tu connaissais d'autres trucs de burgers de Nanterre et tout ça? C'est ça, ouais. Mais je connais le secteur, mais je connaissais pas ici. Et voilà. Et merci qui? Merci Florian. Le mec, il s'auto-félicite, il s'auto-complimente. Bon bah ça fait plaisir. On fera d'autres lives bientôt où pareil, bah, vous pourrez venir à trottinette ou autre pour nous retrouver. Et on ira tester ensuite les restos ensemble. D'ici là, t'es où tard? Tiens, viens, on va faire le petit final. Ouais. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Bah viens aussi, ça là. Voilà. Petit pouce. Ouais. D'habitude, il me filme en train de faire le pouce. Là, aujourd'hui, c'est toi qui le fais. Vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. Ciao, bye. Ok.